Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma morning routine, celle qui m'a permis de tourner, monter et publier une vidéo et deux shorts par jour de manière consistante, sans faute, pendant 2 mois. Noni ! Et qui m'a permis de level up extrêmement rapidement sur YouTube, me faisant passer de 0 abonné, 0 vue, à plus de 2000 abonnés et 100 000 vues en seulement 2 mois. Et je vais tout te dévoiler en détail dans cette vidéo, gratuitement. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite histoire. Avant de me lancer dans ce projet, j'étais un peu comme toi. Je n'avais pas vraiment de compétences, je passais mes journées à juste vivre de la gratification instantanée, et j'étais tout le temps en train de me divertir encore et encore à gaspiller ma jeunesse, à gaspiller mon temps, et très franchement, j'étais perdu dans la vie. Je savais pas quoi faire, je savais pas où aller, si bien que j'ai fait 2 premières années dans 2 domaines complètement différents, et j'ai jamais accroché. Mais lorsque j'ai découvert le développement personnel, que je me suis amélioré, et que je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'est aider les gens, j'ai décidé de me lancer sur YouTube et de faire en France ce que mes idoles américaines faisaient déjà aux États-Unis, c'est-à-dire aider le maximum de jeunes hommes à s'améliorer. Mais je peux te garantir que sans cette morning routine, je ne serais pas au point où j'en suis. Alors passons tout de suite à l'étape 1. Dès que je sors de mon lit, je commence directement par me brosser les dents. Mais surtout, surtout, je me brosse la langue, et bien le fond de la langue. Parce que la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent, ils se brossent les dents pendant genre 1 minute, et après ils se disent « Oh c'est bon, je me suis brossé les dents », et ils arrêtent. Frérot, ton haleine, elle sent probablement mauvais. Il faut que tu te brosses la langue, parce que c'est de là que vient la mauvaise haleine. Donc je me brosse bien le fond de la langue, là jusqu'à bien m'étouffer. Et ensuite, je fais ma petite skincare, hein, voilà, tranquille, rien d'exceptionnel. J'ai juste 2 produits à la con que j'utilise pour mon visage. Et dès que j'ai fini dans la salle de bain, on se dirige sur le balcon. Et là, vous voyez, c'est là que la magie opère. Une des premières choses que tu devrais faire tous les jours, dans les 30 minutes après t'être réveillé, c'est de sortir et de prendre la lumière du soleil dans les yeux. Je te dis pas non plus de te cramer les yeux en regardant directement le soleil, non pas du tout. Au moins, juste, prends la lumière du jour, ressens la lumière du jour sur ta peau. Même s'il fait gris, c'est pas grave, parce que le fait que tu puisses voir montre qu'il y a de la lumière du soleil derrière les nuages. Donc tu prends la lumière du soleil, et littéralement, j'ai appris ça avec le docteur Andrew Huberman, ça aide à être plus heureux. Donc prends cette lumière du soleil, ne laisse pas passer l'opportunité, fais-toi plaisir, mets-toi bien. Directement après avoir pris le soleil, je me mets sur la chaise sur mon balcon et je commence à méditer. Généralement, je médite entre 5 à 10 minutes, ce qui me permet littéralement de remettre de l'ordre dans mon esprit, d'être plus heureux à la longue et d'améliorer ma santé mentale. Et crois-moi, tu ne peux réussir nulle part si tu as une santé mentale de merde. Dès que j'ai fini de méditer, je me dirige sur mon salon et je me jette sur mon canapé afin de faire des affirmations positives. Qu'est-ce qu'une affirmation? C'est littéralement te dire des trucs à la con du genre « Ouais, je suis le meilleur, ouais, je suis un BG, je peux le faire, je peux réussir, j'ai tout ce qu'il faut. » Ça te permet littéralement de changer ton état d'esprit de manière positive afin d'avoir un état d'esprit de personne qui réussit et pas de personne qui échoue. Et dès que j'ai fini avec les affirmations, je commence à te montrer de la reconnaissance. Je me pose et je me dis que je suis reconnaissant pour la personne que je suis. Je suis reconnaissant pour la maison dans laquelle je vis. Je suis reconnaissant pour plein de choses. Tu dis des trucs pour lesquels tu es reconnaissant. J'ai littéralement un channel sur mon Discord dédié à ça, là où la plupart des gens viennent et font leur reconnaissance journalière. Et je suis très fier de pour ça. Enfin, dès que j'ai fini les reconnaissances, la chose que je fais ensuite, c'est faire des visualisations de mon succès. Donc je m'imagine complètement écraser mes objectifs et ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte de la joie et ça m'apporte de la motivation pour ressentir cette joie dans la vraie vie. Mais dès que j'ai fini de visualiser de manière positive, je visualise alors de manière négative. Mais attention, il y a un truc. Tu visualises le fait d'échouer dans tel ou tel domaine, mais tu visualises aussi ce que tu feras en cas d'échec. Donc comment tu vas te relever? Ça te permet d'être mentalement préparé à l'échec et de savoir comment le gérer sans devoir passer par moult crises émotionnelles. Et dès que j'ai fini avec ça, je me retrouve dans cette pièce, assis sur 2 coussins par terre, devant ma caméra, et je tourne ces vidéos. Et dès que j'ai fini de tourner ces vidéos, pouf, je vais sur mon PC et je me concentre pendant 4 heures d'affilée à monter toutes les vidéos et les shorts de la journée. Et généralement, en moins de 4 heures, je fournis un montage qualitatif qui ne fait que s'améliorer de jour en jour, car chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Et je sais que ça peut paraître super simple comme morning routine. Je prends pas des suppléments, je fais pas genre 10 tractions le matin, je suis pas en train de prendre une douche froide et tout. Mais le truc, c'est que c'est une morning routine qui est adaptée à moi. Après, tu peux l'essayer, bien évidemment. Tu peux essayer ma morning routine point par point, voir ce que ça donne pour toi. Je suis sûr que tu en tireras des bénéfices au moins sur la santé mentale. Cependant, il faut que tu comprennes que une morning routine, c'est quelque chose d'assez personnel. Il y a des éléments qui sont assez récurrents, qui permettent aux gens de réussir. Cependant, il ne faut pas juste suivre point par point tout ce que je te dis. Évidemment, je te partage la mienne et tu peux apprendre celle-ci afin de t'en créer une adaptée à ta personne et tes besoins. Par exemple, moi, je ne mange absolument rien avant d'avoir fini avec mon travail. Donc, de 8h à midi, je ne bouffe rien. Je suis en deep work sur mon ordinateur à monter les vidéos et les shorts. Et ça, tu vois, c'est pas adapté à n'importe quel individu. C'est pour ça que je te dis que tu peux t'inspirer de ma morning routine afin de développer la tienne. Et je t'encourage fortement de développer une morning routine. Peu importe ce que les gens vont te dire, peu importe ce qu'on va te raconter sur internet en mode oui, les morning routines, ça marche pas et tout, c'est du foutage de gueule. C'est des gens qui n'ont jamais réussi à tenir une morning routine plus de 3 jours qui viennent et qui disent ce genre de conneries. Tu dois être consistant
consistant si tu veux que ça marche. Et je peux te garantir que si tu as une morning routine solide et que tu es consistante avec celle-ci, tu auras des résultats garantis. Donc va, crée-toi une morning routine et surtout, tu t'y tiens. T'essaies pas de tricher, t'essaies pas de trouver des raccourcis. Tu décides, tu la mets en place, tu t'y tiens. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui va te permettre d'évoluer, c'est ça qui va te permettre d'améliorer et qui va te permettre aussi d'atteindre tous tes objectifs. Si t'as aimé cette vidéo et que t'as envie de continuer de level up avec moi, n'hésite pas à check cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.